Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous emmène sur une petite sortie ski de randonnée. On va aller faire la pointe de Chalune, Arnaud. Et c'est ça, ouais. La pointe de Chalune. On a un groupe de 11 personnes. On va couper le groupe en deux, hein, parce qu'on est un peu nombreux. Et puis, on va vous faire découvrir cette randonnée. On est au parking de Bonava. On va accuser à peu près un dénivelé d'environ 950 mètres pour à peu près 5 heures de course. Un peu frisqué ce matin, on a un petit moins 14 au départ du parking, mais le soleil va vite arriver, comme ça, ça va nous réchauffer un peu. On va vous faire voir un truc qui est vraiment sympa. Voilà, à la surface de la neige, dans les endroits très très froids, on a du givre de surface qui se forme. C'est ces espèces d'ailes de papillons qui sont tout en surface là, c'est super sympa. Voilà, il y en a partout. Voilà, on vient de faire une petite pause au-dessus du parking du Foron, donc c'est le parking estival. Et puis après, c'est par ici que ça se passe. Petite progression tout en douceur. Le groupe 1 nous attend juste au chalet du Foron au-dessus, tranquille. Puis nous, on y va tranquillou. On profite un peu de la journée. Ça se réchauffe très très fort, on a même chaud. Ouais, ouais, alimente-toi, c'est bien. Petite pause. On est arrivé au chalet du Foron. On a vraiment déjà une vue qui est splendide. Et après, c'est par ici que ça se passe, avec une belle traversée. Au col du Foron, on est à peu près à l'altitude de 1832 mètres. Et puis, on profite pour faire la petite pause. Et on profite aussi du paysage qui est vraiment grandiose. On va après effectuer une petite traversée dans une pente peu soutenue. Donc on fera un petit écartement direction col de Chalune. On vient d'arriver au col de Chalune, on se trouve à peu près à 1900 mètres. Et il nous reste à peu près 200 mètres de dénivelé pour arriver au sommet, tranquillou. On est sur la dernière pente terminale. Le col de Chalune est juste derrière. Ce paysage magnifique ne nous quitte pas. On attend gentiment notre groupe, tranquille. Voilà, ils arrivent tranquille. Très bien. Et derrière Audrey, il y a une vue magnifique avec le Mont Blanc en toile de fond. Vraiment grandiose. Ça va les gars? Okay. Allez, c'est bien. On a un petit virage assez serré là. Puis une pente qui est soutenue. Il y a du monde aujourd'hui, hein. Allez, bravo. On a une vue magnifique. Allez, on y va tranquillou.
Ah, caillou! Fais gaffe, il y a un caillou là. La trace là, si elle prend là, t'as vu? Ouais, joli. Bon bah Audrey, on prend la voie normale ? Oui, on prend la voie normale. Allez, c'est parti. Allez, on est revenu au chalet du Fouron, on casse la croûte. On a fait une première session de glisse et puis après retour au parking gentiment. Alors on se prépare gentiment, on va quitter notre coin repas et on va aller de ce côté-là. Sympa là. On vous a présenté la pointe de Chalune qui est à une altitude de 2116 mètres à peu près. Bonne équipe aujourd'hui, hein, sympa. Ah, une adège en split là, c'est cool. Elle me donnait envie, hein. Et puis, et puis j'espère que ça vous a plu. Si ça vous intéresse, bien sûr, cette course, elle se trouve en Haute-Savoie, au départ de Bonava, entre la station du Pradly et la station des Jets. Et puis vous avez à peu près 950 mètres de dénivelé. Voilà, voilà. Et bien écoutez, nous on vous laisse et on vous donne rendez-vous à la prochaine. Arrive pas.